Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis et que vous avez pris le temps de vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Aujourd'hui, nous vous proposons des côtes de porc aux herbes de Provence accompagnées de pommes fondantes. Et à présent, on coupe en quatre. Et voilà. Allez, on passe à la cuisson de nos pommes. Allez, dans notre casserole, on met un bon filet d'huile. Voilà. Et on vient mettre notre beurre. À présent, on va mettre nos pommes. Et voilà. Allez, à présent, je viens ajouter mon sucre. Et à présent, on va sortir nos pommes. Et là, on va laisser colorer. Voilà. Allez, ça colore. Et une fois que ça sera bien coloré, on remettra nos pommes dedans. Voilà. On sent une bonne odeur de caramel. Allez, on remet les pommes. Allez, on coupe la plaque. Et maintenant, on n'a plus qu'à mélanger pour bien colorer tout ça. Allez, c'est bon, on réserve les pommes. Allez, dans notre poêle, on met de l'huile. Voilà. Et on vient mettre nos côtes de porc. On assaisonne, un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et
un petit peu de poivre et des herbes de poivre. Nos côtes de corps sont presque cuites. Et là, je vais juste ajouter un petit peu de jus de pomme. Voilà. Prêt. Allez, on coupe, on dresse et on passe à table. Et voilà, c'est prêt. Regardez ça, on va se régaler. Des côtes de porc aux herbes de Provence accompagnées de pommes fondantes, ça va être excellent. Allez, on vous laisse. À bientôt. Pour la recette, nous avons utilisé 2 côtes de porc, 6 pommes, 20 g de sucre, 20 g de beurre, des herbes de Provence, du sel, du poivre et de l'huile.